des faits. Et là, moi-même, moi t'ai proposé pour que nous t'aider la police là. Moi t'ai dit, on a aujourd'hui le banditisme d'État. Nous avons le banditisme d'État qui menait nous dans la situation ça. Et moi t'ai fait une proposition de 10 points pour nous sortir là-dedans. Premièrement, mon capitaine de nous, quelle est la situation de la force publique jeudi en Haïti et pour qui ça que nous arrivons là? Situation force publique haïtienne, elle correspond un petit peu à sa constitution dit dans la lettre, à savoir la force publique se compose de deux entités, la police et l'armée. Nous gagnons deux entités ça yo, yon qui en miniature, c'est l'armée, puisque on l'armée environ de 350 monde qui la donne gon état-major qui environ de 15 à 20 monde et des officiers, moi te ka di, qui plus aller dans la question infrastructure. Officiers et soldats, ou gen moitié là-dedans, c'est dans infrastructure. Donc, ou bagon l'armée qui gen l'infanterie, l'aviation, les grandes armes traditionnelles. Donc, pour moi, l'armée est en miniature. Le corps de la force publique qui existe, c'est la police. Le Jovenel Moïse en 2017, il y a environ 14 000 membres en dans la police là. Et en 2017, quelle était la situation? Est-ce que tu as des gens qui n'ont pas de machine dans la rue? Est-ce que tu as des zones de non-droit? À ma connaissance, moi, j'ai l'homme prend machine à Léogane. À minuit, à 1h, à 2h, nous passons sur route là, mal naïve. Donc, la situation avec 14 000 policiers, dont 6 000 dans la zone métropolitaine, c'est une situation qui est stable. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la police? C'est un plan de développement de la police de 2016 à 2021. En 2017, c'était le premier budget qui a été voté avec 2 milliards de gourdes pour plan de développement en plus du budget de la police, mais 2 milliards de gourdes pour renforcer la police. Malheureusement, depuis point ça, investissement qui a été fait par la police, il n'y a pas débloqué comme pour la police. C'était la première faiblesse de la police. Comme qui était investi dans la police, c'est États-Unis, Canada, qui t'a mis comme pour formation à l'académie, et quelques commissariats. Mais l'État haïtien n'a pas débloqué quoi. C'était la première faiblesse au niveau de la police. La deuxième chose au niveau de la police, c'est que la formation continue de camper. Parce que, eh bien, où t'es venu joindre et l'ONU qui était là, yo t'es gagné, y a fait retrait, et formation, yo pas de continuer fait. Ça, on était toujours dans 2017. Nous avons évolué au niveau de la police en 2018. Nous avons commencé avec les grandes manifestations, 6-7 juillet 2018. Et le pouvoir, devine ouais, pour faire face à manifestation ça yo, pour faire face à manifestation, il fallait maîtriser les quartiers populaires. Et c'est là, moi, je t'ai dit que, au Tévini, joindre, moi, je t'ai dit, amitié ça, et conglomérat ça qui vient d'exister entre l'État et les gangs. Entre l'État et les gangs, le premier objectif, c'était d'empêcher la sortie des quartiers populaires, parce que il y a de grandes manifestations qui deviennent faites non seulement par rapport à la mauvaise gouvernance, mais pas oublier, par rapport à rapport de Petro-Caribéa, qui est arrivé dans la Cour des comptes, et que la nation haïtienne va le constater que ça y a dit, ah, c'est pas ça, c'est pas un sénat politique qui t'a fait rapport, yo. C'est un parlement qui t'a fait un rapport correct et que la Cour des comptes vient approuver. Et nous t'es arrivé en manifestation le 17 octobre 2018 d'environ 1 million de monde. Donc, pouvoir pour le contrecarrer à ça, eh bien, ils font association avec Gangyo. Et depuis le ça, Gangyo vient faire partie, moi t'ai dit, presque de la force publique. Parce que dans la zone ça, yo, c'est des mouns qui kembe zamlan, c'est des mouns qui touchés par l'État, c'est des mouns qui ont bay munitions pour que yon empêché, eh bien, quartier yon soti. Depuis le ça a commencé en collaboration étroite en gang et l'État. Et moi, relè le banditisme d'État. Parce que il y a plusieurs, types de banditisme. Ou le gen le banditisme social normalement qui est retrouvé dans tous les pays par rapport aux déviants. Ou gen le banditisme politique, c'est le. Ou gen des mouns qui utilisent bandits pour arriver au pouvoir, mais le paquet belavel. Mais banditisme d'État, c'est les mouns dans l'État. Au lieu de servir avec la force publique, les utiliser justement bandits pour le rester. Donc,
Ça qui vient arriver en 2018-2019, la police vient affaiblie, point d'investissement encore dans la police, pas encore, même le ça budget vient pas voter, et bandio, yo vini à augmenter en puissance. Ou vient gagner non seulement les zones de non-droit, mais à la fin de l'année 2019, ou vient gagner la fédération des gangs. A dit que bandio vient reconnu par l'État, yo vient établi, et une collaboration étroite qui vient non seulement pour empêcher moins de manifestations, mais également pour persécuter des leaders politiques, mm-hmm. pour que ou arrivent dans une situation, d'ailleurs, où tu es une manifestation, côté que moi changer opposition dans la rue. Et puis, ça a été fait, l'État a financé le Saudi Ganel qui sortit dans la rue, même là. Et puis, dans la soirée, ex-président Jovenel Moïse, feu président Jovenel Moïse, ça a été fait, il a déclaré que nèg sa ki nan la ouya, c'est opposition alors que c'est lui qui te finance. Donc, ça a continué. Et en l'année 2020, par rapport à situation ça qui vient augmenter, l'opposition vient réunir derrière l'accord de Mayotte, eh bien, monsieur, non seulement yo vient arriver, moi te ka di conglomérer gang yo dans l'ouest, yo étend yo dans l'Artibonite, ainsi de suite, et ou vient joindre en situation que officiellement gang yo y a demandé justement pour que yo l'état ça pour que c'est quand coup yo dit vive Jovenel. Donc banditis d'état li vinn rete ou vinn gagner la police qui affaiblit, ça veut dire que insécurité a li vini augmenter, la justice pas fonctionner et impunité a vinn non tel état que on va voir certains grands exemples le dans pays a ou gen situation de sécurité ça et puis ma point exemple ou gen 7 mercenaires entrer dans pays a des mercenaires yo entré dans pays a parlement vote une résolution mandé pour yo kembe pour la justice et bien en plus de insécurité ça président est venu yo voyer mercenaires aller son signal côté que n'importe qui est gen droit entrer dans pays ça ou protéger. Ça, c'était la première chose. On a gâté le monsieur Duozo, un haïtien qui était sergent dans l'armée. Et puis, il y a eu monsieur dans l'avion. Monsieur a eu un fusil d'assaut dans l'avion. Le monsieur arrivé ici, il a arrêté, et puis, par l'autre avion, il a voyé monsieur retourner. Mm-hmm. Alors que Duozo, comme sergent, il connaît que s'il t'a pris ton arme, son arme de poing, il faut t'avoir autorisation. Mais à chaque fois, le président était venu, ambassade américaine, il a revoyé monsieur aller. Mm-hmm. T'es qu'on ca m'basson sous échanger, t'es qu'on est qui t'est entré dans bureau président dans USGPN, tout monde après l'amoué, c'est après yo dit que président pas là. Bon, néglo va de là dans prison. Peut-être même mon état dit moun fou. Yo dit moun fou, président pat. Non, depuis l'heure où t'es franchi 4 périmètres là pour arriver encore, yo voyez monsieur aller. Donc son sorte d'impunité débat avec privé et puis parler à li pas ba. Si non, depuis l'heure président de l'insécurité. Insécurité plus impunité. Bon dernier l'heure moi, je te prends la parole, le Sagoumon, président Chita la palais, USGPN là, et puis, on tremblement de terre. Tout n'a couru net. Pas qu'on USGPN qui reste comme un président. Ça veut dire, c'est des signes qui te montrent que, bah, il a mal fonctionné. Ça veut dire que tout le monde de l'opposition condamne Sacrivé, mais Sacrivé, c'est des brèches qui créent dans la force publique, insécurité grandissant, impunité à régnant, qui fait que Jodia, n'importe qui est qui a pensé que yo ka rentré en dans pays ça d'ailleurs moi tande hier yo confirmé mercenaires était là depuis 3 mois bon on est dans l'état faut on dit ça des mercenaires là depuis 3 mois parce que mercenaires qui rentré al tande que mercenaires américains rentré yo gen zam yo kembe yo voye aller yo tande que dans pays ça non seulement gen sécurité yo ka vini parce que c'est là ça yo ka rini en mettre mais deuxièmement si yo kembe yo pa gen ka privé regardez qu'on a côté la mort président Soti circonstance quand tout la mort ou excusez-moi bon question pendant sénateur Yuri et par là bon profiter temps comme salut ou et salut Samuel de Colline Deco très bien nous bien content mais et, excusez-moi c'est question colombien ouais. Mais un amalgame excusez-moi ça un amalgame parce que tu as un groupe colombien que premier ministre joute te présenter ouais ouais mon était venu de la police qui est entre Mounsayo il y a des personnes qui disent rien sur ça. C'est ça que je veux dire. Nous allons courir. Alors, c'est que le premier ministre qui présente des Colombiens. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, il y a des Colombiens. Il y a des Colombiens qui sont président, alors que nous avons des Colombiens qui ont aidé la police. Non, l'État a même présenté. L'État a dit que nous voulons aider. Oui, nous voulons aider pour une question de kidnapping. Et il y a des Colombiens. Qui différence qu'il y a entre deux groupes colombiens? Très bien.
radio pas posé. Radio pas que ça. Très bien. Circonstance, je pense oui, circonstance. Excusez-moi, parce que je pense. Non, il est important. Non, d'abord, la donne. Je pense que Mario Sordi a dit correct. C'est dégénérissant ça qui est dans l'État. L'on l'État, il y a une force publique. Même si l'armée n'est pas là, mais la police là, forte de environ 14 500 monde. Parce que grand pile quoi ont dépensé dans la formation, dans la police. Pour que le premier ministre a présenté des Colombiens pour le dire, mais qui est-ce Capvini? Ça, c'est le monde à l'envers, parce que toute collaboration avec force publique, nous, c'est deux en pays en l'autre pays. Ça veut dire que yo ka voyer des instructeurs venir aider, yo ka faire en collaboration même j'ai l'ai fait avec Équateur qui vini avec tout matériel à la mail vini. L'État il vient accepter qu'on y a prend des Colombiens mercenaires que l'employé pour aider la police li. Oui. Donc normalement pas oublier Colombie c'est pays qui gagne plus gros taux de mercenaires parce que ça qui vient on l'armée qui mobilisé fort de yo prend de 18 à 20 ans. Après 15 ans, 20 ans. En Amérique latine. Et ça. Après 15 ans, 20 ans, on a bataille, on a presque besoin de retraite. Parce que y a sous le front tout le temps avec les FARC, avec le mouvement. Qu'on y a, on a disponible. Mais en pays, en société, on a besoin de compagnie de sécurité, y a passé par là pour recruter compagnie, recruter. Mais l'armée n'a pas qu'à prendre ça. Et on paye pas qu'à prendre ça directement pour présenter. Pour yo dit mais ça quoi aider la police. C'est peut-être ça nèg yo t'a fait ba yo en amateur et qui fait que le Colombien entendez parce que pas oublier dans l'armée l'autre bois nèg yo touché 300 400 dollars. Le mercenaire a venu payer 2500 3000 dollars. Donc ça veut dire que le nèg l'attendait que yo recruter toute nèg d'est venu. Et qu'on y allait depuis toute nèg d'est venu n'importe qui est ce qu'a recruter n'importe qui. Alors que l'État te doit signer un protocole d'accord avec la Colombie pour que l'armée active ou bien la police active aide yo et pas comme ça pour yo te présenter même j'en certains moments de fait à Équateur. Très bien. On a les Camille Oxys, m'a regardé là, insécurité, circonstances qui entourent et l'ambre.